Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Mon tout premier cours d'harmonica, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc n'ayant pas tellement d'expérience pédagogique pour vous exprimer comment jouer cet instru, je vais le faire un petit peu à la route, avec des gestes, des signes, tout ça. Et vers la fin de la vidéo, je vous filerai quelques liens pour que vous puissiez aller consulter les vrais profs d'harmonica. Il y a des tutos sur YouTube qui sont très bien. Juste avant de commencer, si vous souhaitez apprendre à jouer à la guitare, vous pouvez cliquer ici, je fais un tutoriel dédié, justement, sur ce morceau de Neil Young. Allez, je me rapproche et j'essaye de vous montrer comment ça se passe. Alors pour les explications du morceau, je pense que je vais me dispenser de ce porte-harmonica en plus qui arrête pas de tomber. Donc si vous voulez jouer ce morceau dans la tonalité originale, il vous faudra un harmonica en sol, un harmonica en G. C'est écrit sur les côtés, là, souvent comme ça, là. Et donc pour info, cet harmonica est un Marine Band, voilà, c'est un harmonica diatonique. Assez standard, mais voilà, j'aime bien, j'apprécie. En tous les cas, pour ce que je joue avec, c'est bien suffisant. Donc le début du morceau va sonner comme ça. C'était la première phrase. Bon, alors là, je joue en position vraiment comme ça. Je maintiens le pouce et l'index par-dessus. Je ferme. Et après, ici, je fais une petite caisse de résonance. Si vous jouez sans le porte-harmonica, vous le tiendriez comme ça, de manière à pouvoir faire varier un petit peu s'il y a besoin. Il n'y en a pas du tout besoin dans ce morceau, mais bon, c'est pas là. Alors, pour les explications, je vais le tenir un petit peu comme ça, un peu comme une fillette, de manière à ce qu'on voit bien, on voit bien bouger. Parce que quand je suis comme ça, ça fait un petit peu Cashman. Il ne montre pas ce qu'il joue. Donc pour le départ, vous vous placeriez au niveau de la quatrième alvéole. On n'a pas besoin de viser vraiment comme si on faisait un solo de blues. Donc vous visez la 4, juste quand même au départ. Et vous soufflez, d'accord? Quand je fais ce signe-là, c'est que... j'expulse mon air. Et quand je ferai, hop, ce signe-là, c'est que je vais inspirer, d'accord? Donc au tout début. Ok. Vous êtes à peu près en 4. Et après, vous, vous déplacez un tout petit peu à droite. Je me trouve vers 5, à peu près, 5-6 du coup. Ok, après une fois que vous êtes dans les environs de la 5e alvéole, on va inspirer un coup avant de ressouffler, mais en revenant en 4e alvéole. Tiens. Ce qui va donner depuis le début. D'accord. Ensuite, je me déplace un petit peu à gauche. J'inspire, et ensuite je vais ressouffler en descendant un petit peu à gauche. Pour avoir vraiment quasiment le registre le plus grave de l'instrument. Voilà. C'est pas évident d'expliquer tout ça, j'espère que vous n'êtes pas trop en train de vous marrer derrière vos écrans. La phrase numéro 2 va donner ça. Donc pour le début de cette deuxième phrase, je vais me mettre en face de la sixième alvéole, je vais souffler un coup, je vais me déplacer une alvéole à droite pour attaquer la 7 en soufflant également, pour pouvoir avoir... Donc je souffle en 6, je souffle en 7, après je reviens en 6 et j'aspire. Donc... et je ressouffle en 6, donc ça fait 6, 7, 6, 6. J'espère que c'est clair, mais je sais pas... Ok, ensuite, j'aspire en 6, je ressouffle en 6, et je me décale à gauche. Pour atterrir en 4e alvéole. Toute la phrase 2. On ne perd pas le nord, on ne perd pas la foi. Voilà, les phrases 1 et 2. Phrase 2. Et la troisième et dernière phrase. Comment j'ai fait? Je me place en face de la quatrième alvéole et je vais souffler 3 fois de suite, mais en décalant 4, 5 et 6e alvéole. Je reviens une alvéole à gauche en 5 et j'aspire. Après, je vais souffler toujours en 5. Et une dernière note sur la quatrième alvéole en soufflant. Donc 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 4. Franchement, je ne sais pas trop ce que ça donne, même moi en le faisant le montage. Bien rendre compte si c'est une catastrophe, ce tuto ou pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. Pour terminer, je vous refais les 3 phrases d'affilée et puis je pense que ça ira. 3, 4, 1.
Un numéro 2. Un numéro 3. Voilà, bah écoutez, je pense que ce sera le seul unique cours d'harmonica que je posterai, étant donné que je ne sais pas jouer autre chose, et puis je ne pense pas avoir le niveau pour prétendre enseigner quoi que ce soit de plus avec ceci. Cependant, voici une sélection de 3 profs que j'ai trouvé sur YouTube. Alors, il y a 2 francophones. Le premier, c'est Harmonica Vaudeville, voilà. Je pense qu'il doit être canadien, je sais pas, et un petit truc qui me fait sentir qu'il vient de là-bas. Autrement, il y a Paul Lasset qui fait d'excellentes vidéos, vraiment, en plus il en a plein, donc je vous invite à consulter sa chaîne. Et pour terminer, si vous parlez anglais, vous pouvez les consulter aussi learntheharmonica.com. Et bien écoutez, j'espère que tout ceci n'était pas trop calamiteux, hein. Autrement, vous pouvez les consulter, mes vidéos de piano, mes vidéos de guitare, éventuellement quelques vidéos du ukulélé aussi, je suis beaucoup plus performant. Voilà, merci beaucoup, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.